vos petites questions. Alors, ce qui me guide d'une manière générale, ce sont les découvertes que je fais, les nouveaux films, les nouvelles musiques, tout ce qui va nourrir mon inspiration. Mon petit bonheur du jour, invariablement, c'est quand même le premier café du matin où l'esprit vagabonde. Ce café, il a quand même une petite saveur particulière. N'importe quelle question à partir du moment où elle est bien intentionnée. Dans ma vie de musicien, c'est un savant mélange entre d'un côté de la rigueur et de l'autre côté du lâcher-prise. La rigueur pour être au niveau de ses aspirations et puis le lâcher-prise pour sortir de conventions. Je dirais tout simplement qu'une journée exceptionnelle, c'est une journée avec une petite surprise, une petite découverte, hein, quelque chose qui va lui donner une saveur spécifique. Je dirais qu'en ce moment, les deux sont un peu alignés, donc c'est dur de répondre. J'ai envie de dire film, parce que un film, c'est une expérience immersive qui ne se dilue pas dans le temps, et si c'est un très bon film, il en reste toujours quelque chose très longtemps après. Dazed and Confused de Led Zeppelin. C'est une chanson qui commence de manière un peu lascive, puis qui se met un peu à gronder et qui termine de manière explosive. J'ai bien envie d'aller faire un tour en 2500 pour voir si on a réussi à corriger le tir, mais je veux bien un billet retour. Il faut savoir ne pas l'être parfois. J'ai envie de vous dire que mon deuxième album, L'Humaine, est sorti au début de l'année 2021 et je vous invite à le découvrir, notamment chez Gibert.